Patrick Dimbala, 2-0 contre Londerzeel, une victoire méritée, je peux dire. Oui, une victoire totalement méritée parce qu'on a contrôlé le match du début à la fin. C'est juste qu'au début, on a fait quelques erreurs, mais bon, ça arrive, quoi. Mais bon, le match, on a contrôlé du début à la fin et voilà, c'est tout à fait mérité, quoi. Oui, la première mi-temps était un petit peu plus difficile que la deuxième. Oui, elle était beaucoup plus difficile parce que vous savez, vous jouez contre une équipe qui défend à 10. Il y a un attaquant qui reste devant, qui défend à 10 et qui attend juste la moindre erreur de notre part pour faire un contre-attaque. Bien sûr, c'est difficile, mais en deuxième mi-temps, ils sont un peu plus fatigués. Ils essaient aussi d'avancer un peu plus et nous, on attaque un peu plus. Donc, il y a un peu plus d'espace, vous voyez. Donc, c'est ça qui nous a un peu facilité. Oui, c'est à nouveau la condition physique, entre autres, qui a fait la différence. Vous avez un club professionnel, un club amateur. C'est surtout ça qui fait la différence. On s'entraîne tous les jours. Les entraînements ne sont pas faciles. On s'entraîne tous les jours très, très dur. Donc voilà, c'est ça aussi. C'est une façon de travailler, c'est une façon de bosser. Chaque joueur ne s'entraîne pas de la même façon. Donc nous, on s'entraîne très dur. Chaque joueur qui joue ou qui ne joue pas donne tout à l'entraînement. Donc voilà, après au match, bien sûr qu'on est un peu plus facile. Mais bon, toutes les équipes, on le sait, nous attendent. Donc automatiquement, c'est des matchs toujours qui sont très difficiles, comme Isegem, comme aujourd'hui, comme Mathems. Donc on n'aura que des matchs difficiles. Je ne pense pas que le match contre Malines, on aura encore un autre match. Et encore, les 15 premières minutes contre Malines, c'est aussi la même chose. Ils nous ont attendu. Et voilà quoi. Donc, dans chaque match qu'on va jouer, ils vont tous nous attendre. Il faut juste essayer de marquer le plus vite possible. Et là, ce sera un peu plus facile. Tu as marqué le premier but, très important ce but. Oui, c'est très important pour l'équipe parce que marquer surtout au début, après je pense 10 minutes, c'est ça qui nous a un peu libérés, qui nous a un peu tués parce que je suis sûr dans leur tête, ils s'attendaient à garder le 0 jusqu'à la fin et espérer vraiment repartir avec un 0-0. Mais bon, comme je dis, on est une équipe, on est une très bonne équipe, on est professionnel, on est là, on veut gagner tous les matchs, du moins la plupart des matchs. On veut être tout en haut, quoi, et pas au milieu ou tout en bas, on veut être tout en haut. Et on voit qu'il y a beaucoup de confiance dans l'équipe. Ouais, ça fait 6 mois que la plupart des joueurs, on se connaît tous, ça fait plus de 6 mois maintenant. Donc voilà, on se connaît tous beaucoup mieux. En plus de ça, par rapport à ça, c'est que les 11 qui jouent à part Redouane Alloul, on se connaît tous. On a tous joué il y a 6 mois ensemble. Donc à part Redouane qui rentre un peu dans le bain et qui joue très bien d'ailleurs, on se connaît tous très bien. Donc voilà, avec Casagonda, on s'entend très bien. Je sais comment il bouge ou quoi. Tous les joueurs savent comment nous on demande le ballon, quoi. Donc ça va, quoi. Donc on s'entend tous très bien, quoi. Ok, merci pour cette interview, Patrick, et encore félicitations. Merci. Zo, Patrick Dimbala verklaarde dat inderdaad Dender een zeer goede ploeg heeft, dat ze op elkaar volledig zijn ingespeeld. Eigenlijk zijn het, zegt hij, professionele spelers bij Dender tegen amateurs in sommige andere ploegen, want ze trainen ook veel meer dan andere ploegen. Het samenspel met Casagolda en andere spelers gaat zeer goed. Enkel Redouane Alloul is nieuw gekomen in de ploeg en past zich wonderwel aan. Het doelpunt dat hij gescoord heeft, zeer belangrijk doelpunt uiteraard, want het brak de wedstrijd open 1-0. En goed, dat was het ongeveer. Ze hebben heel veel ambitie ook om dit seizoen helemaal bovenaan te eindigen. Dat was wat Patrick Dimbala wist te vertellen.